Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller manger du Taco Bell. Oui, vous m'avez bien entendu, du Taco Bell au Canada, à Montréal. J'ai jamais essayé ça, j'ai toujours voulu essayer parce que dans les mukbangs, ils en mangent tout le temps. Puis, fait qu'on s'en va là à soir. On s'en va manger du Taco Bell. Suivez-moi. Taco Bell. Yes! Oh! Miam! Tout à la fucking bar. Moi, les restaurants ouverts, c'est un métier. Moi aussi. Les restaurants ouverts. Oh, il y a un McDo à côté. Ils font exprès, hein? Il y a un McDo, un PFK, puis un Taco Bell. Ils sont comme, peut-être qu'ils vont venir aux trois places. On rentre par où? Non, par le PFK. Ah, ben oui. Il faut rentrer par le PFK. Ouais. Tout pour donner le goût. J'ai pas mon portefeuille, mais sinon, derrière, je vais venir le chercher. Hein, de chez déjà. C'est sur quoi que t'as pesé? Juste ça? C'est du Mountain Dew Ultimate Snow. Demande-y. Je prends du... On a la bouffe. Bon, j'espère que on a deux boîtes. C'était quoi dans le nom? Il n'a pas écrit le nom des boîtes. En tout cas, je vais vous le dire. Ah, Maxi Bouffe. Puis on a pris aussi, parce qu'on était dans un PFK et Taco Bell en même temps, on a pris du poulet popcorn. Puis Sam s'est pris des nachos poulet. Pacho, ça s'appelle. Ils ont tout mangé. Du poulet nacho. Fait que on s'en va à la maison. Bye. Tantôt. On est de retour à la maison. Donc voici mon souper. Mon deuxième souper, mon cheat meal, du poulet popcorn du PFK avec un Coke Diet et la fameuse boîte de Taco Bell. Oh! Oh yeah! On a donc un beef burrito, on a deux tacos double layer cheese, quelque chose. Puis on a les frites suprêmes. J'ai pas de fourchette, je pense. Great. Allô? Allô? Lui ici. Comme bon. Je vais aller voir. C'est du Taco Bell puis du PFK. Oh my god. Yes. Ouais. As-tu l'écrit, Sam? Oui. Il parle dans comme 15 mort, minutes. Ah oui? Ouais, il travaille mort, à ça. Ouais. Les frites sont vraiment bonnes. Il y a des tomates, du chili, puis de la crème sure, puis du fromage liquide. Je pense que t'as la fourchette, mais... Verdict pour les frites, sont vraiment bonnes. On va essayer le taco double layer cheese. La fond, c'est un taco dur, un taco mou. Puis entre les deux, il a l'air d'avoir du fromage. Hey, le chat, là, hein? C'est bon. Je préfère le poulet d'habitude, mais c'est bon.
ça goûte bien le taco. Ben le, c'est le goût du mexicain. Et je m'attendais à comme, parce que ça goûte pas super intense en assaisonnement. Mais ça goûte fort. Il y a du beurre, du fromage, de la salade, je pense que c'est tout. La seule chose qui est poche, c'est que le crunchy, là, le, comment on appelle ça, le taco dur, il est rendu mou en bas à cause de tous les ingrédients qui sont dessous, en dessous. Fait que c'est comme crunchy sur le top, mais c'est rendu tout mou en dessous. Bon, pareil. Qu'est-ce que vous en pensez, Zoro? C'est bon? Des frites, ouais. Ah, juste rendu là. C'est du steak, parce que ouf. Honnêtement, hein. J'en ai pour jusqu'à demain. Bien sûr, je mange pas tout ça. C'est bien spicy, en tout cas. Hey, j'ai une gorgée. Spicy. Arrivé chez là-bas, je vais juste te le dire, vraiment checker ça, là, t'assurer que quand tu barres les portes, t'assurer de regarder que les lumières sont fermées. Vous l'avez mis où, les chaînes? Non, pas. On va monter les chaînes. Il y a une porte après. Une porte. Pour les enfants. On peut barrer. Au niveau du bas. On a les chaînes maintenant. Cool. Mais tu touché à l'eau aujourd'hui, t'es glace là, là. Mais ça, je sais pas comment. Gosh! Faisais 25 et on pour qu'on aille chercher notre fil, voir s'il est encore là, pour qu'on puisse plugger ça. Il n'y a pas de raison de pas être là. Ils n'ont pas touché à la clôture, puis le fil, ouais. Il longe la clôture, puis il va voir ton œuf. Fait que. Tu sais, ça coûte presque 500-600$ ce fil là. Juste le fil. Plus que ça. On regarde plus, c'est 1000$ passé. Mais là, je ne sais pas s'il va être en état. Là. Il est peut-être bien enterré, je ne sais pas. Il va être en état, mais pas dans ouais, il n'est pas si enterré que ça. Ils n'ont pas tassé de la terre. Ils n'ont pas mis de terre sur le bord de la clôture. Ouais, mais même si je l'enlève juste au bout, que je le coupe là, mettons, là, je vais en avoir assez, parce que moi, j'ai moins long que la boule. Là. Ça coûte tellement cher, l'électricité. Ouais. Cher. La thermopompe à piscine, elle coûte cher, puis le faire fonctionner coûte cher. C'est ça? Elle coûte cher, la machine? Bon, ça, le non, le filtreur, c'est pas si cher que ça. Ah. Mais pour que ça chauffe, ça doit. Ça coûte combien une machine? Comme du chauffage? Non, mais t'achètes une machine normalement? Tu as la. C'est ça. C'est quand même cher, là, en plus de... Qu'est-ce que vous avez mangé? Ah, comme... C'est merveilleux. Tout ce temps-là, on a attendu, puis là, je pense que... une vraie affaire, là, pas une affaire comme j'ai là. 300$ plus 6% de la mine. Combien? Hey, j'ai oublié de te faire un lunch. Je vais faire un lunch, je pense que j'ai l'argent. Ça m'a coûté 300. Je pense que tu vas. Parce que je suis pas mal. Ben là, arrête. Je fais une fin. Moi, j'arrête là. Ça. Je pense que c'est il est 300 aussi. Mais là, si j'y vais avec la tirte, ça veut dire que je vais économiser 10%. C'est pas bon, hein? Je vais payer juste 5%. Vraiment, là. Ça, on va aller déposer ici, on va le voyer. Ça peut se faire le voyer. On va le voyer ici. Ouais. Je vais le voyer. Ça, là, on va manger. Bon. C'est bon. Oui. C'est plus gras. Mais le poulet popcorn est délicieux. En tout cas.
Hey, c'est vrai, t'as mangé un pacho en plus. Ouais. Pour ça que t'es dead. Le poulet pas faire, mais chicken. Ben, au Québec, les Taco Bell sont toujours jumelés. Ils sont pas tout seuls. Parce que c'est américain, Taco Bell. Fait que si t'es jumelé, c'est dans le même restaurant. T'as littéralement le menu PFK, puis à côté le menu Taco Bell, puis c'est les mêmes personnes qui te servent. Fait que oui, c'était directement à côté. On va me coucher, je suis capable de m'endurer. Ok. Bye. Bye. Tu sais, quand je suis prêt, je crois que j'ai dormi, là. Ouais, c'est vrai. Quoi? Quand je suis dans le chicken nugget. T'es éternu? Ouais. Ouais. Wow. Merde, c'est trop bon, ça. Comment je sais si j'ai trop bon? Je vais coller sur moi. Ah, c'est du bœuf épicé puis du fromage en liquide. C'est trop bon. Pour ça, je m'étais tassé ici aussi. Je sais pas si j'aime ça. Je trouve ça weird. C'est spécial quand même. C'est bleu? Mm-hmm. Ouais, c'est du Mountain Dew bleu. C'est nouveau. Ton Taco Bell. C'est correct, mais. C'est pas si extraordinaire. Sur le coup, c'était bon, mais on dirait qu'il y a un arrière-goût spécial. It's the beef. I don't like beef. You smell like beef. Quoi? Hey! M'a volé ma boisson. Ce que j'ai préféré, c'était les frites, je pense. Puis le poulet popcorn. Ça va avec une fourchette. Ah ouais. Oh ouais. Bon, pour la frite, j'imagine. Gentil. Ce que j'ai préféré, c'est le Baja Blast, puis mon poulet au nacho. Nice. C'est vrai que le poulet était vraiment bon. Ben, c'est du PFK. Bon, le Taco Bell, c'est bon, là, mais. J'en remarque dans les mukbangs que les gens enlèvent comme le tortilla qui dépasse. Crime. C'est délicieux. De l'extra tortilla. C'est pas ça le but qu'il soit double? Non, les burritos. C'est parce que c'est une tortilla, il y a un petit peu de filet. Puis quand tu refermes le tortilla, il y a toujours comme un bout qui a rien qui dépasse. Ah. Et le monde le jette. Comme moi. Moi, ça, c'était littéralement un mukbang, là. Je mange pas de mangue de dessus. Mm-hmm. Bon, il m'en reste un pour demain. Un taco, parce que... Il va me rester du poulet popcorn. Ça va être tout pour ce
mukbang bonus d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si oui, n'oubliez pas de mettre un like et de subscribe et de peser sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je pose sur la chaîne. Et sur ça, je vous souhaite une très belle nuit, journée, matinée, soirée, tout ça. Bye!